Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf pour un premier tuto moto. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer une prise 12 volts, aussi appelée prise allume-cigare, en toute sécurité pour votre moto grâce à un relais. Alors, pourquoi un relais? Sur des installations importantes, le relais permet de dissocier le circuit de commande alimenté en 12 ou 24 volts d'un circuit de puissance alimenté en 110, 230 volts ou plus. Ceci pour des raisons de sécurité et de logistique. Sur une moto, le relais va nous permettre de puiser la puissance dont nous avons besoin pour notre prise 12 volts directement à la source de la batterie, et ceci sans risquer de l'endommager, de la vider ou de surcharger le faisceau d'origine. En effet, sur la majorité des tutos que j'ai pu trouver sur YouTube ou Internet, la prise 12 volts est directement reliée à la batterie. Pourquoi pas? Cela fonctionne. Jusqu'au jour où vous ne pouvez plus démarrer votre moto au bord d'une route perdue au milieu de la Brière, ou que celle-ci brûle généreusement, les émanations toxiques de combustible ne vous laissant même pas le loisir de griller quelques saucisses de bon porc breton au cœur de ces flammes. Un simple relais à 2 € peut vous éviter ça. Moustache, schéma. Ce dessin représente un relais. Celui dont vous avez besoin possède 4 broches. Il sera installé quelque part dans la tête de fourche où il ne sera pas trop exposé aux projections d'eau. Si comme moi vous n'avez sous l'aile qu'un relais 5 broches, pas de souci. Cette cinquième borne, la 87A, est un plus actif quand l'interrupteur est ouvert, dont nous n'avons pas besoin pour notre montage. Isolez-la avec de la gaine thermorétractable ou du scotch électricien, mais ne la confondez surtout pas avec la 87. Comment fonctionne le relais? Si j'envoie un courant entre les broches 86 et 85, qui est le circuit de commande, j'alimente un électroaimant qui enclenche un interrupteur. Cet interrupteur laisse alors passer le courant entre les broches 30 et 87, le circuit de puissance. Si je coupe le courant du circuit de commande, le circuit de puissance est également coupé. Pour alimenter le circuit de commande, celui-ci sera relié depuis la broche 86 à un plus après contact avec un câble entre 1,5 et 3 mm de diamètre. Il ne sera donc actif qu'une fois la clé dans le Neyman tournée. Aucun risque ainsi que la batterie se vide le temps de quelques pintes en fin d'arsouille. Aucun risque non plus de surcharger le faisceau. En effet, l'intensité nécessaire au fonctionnement de l'électroaimant du relais est minime, voire négligeable. Ce plus après contact peut être récupéré à la sortie du Neyman, sur le fil d'alimentation d'un feu. Certaines motos sont même équipées d'une prise après contact destinée à alimenter les accessoires électriques. Il faudra peut-être jouer du multimètre pour trouver le bon fil. Le circuit de commande sera clos en reliant la broche 85 à une masse de la moto. Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'une masse? Cette blague vous était présentée par Pingouin Froid, réfrigérateur, climatiseur, machine à glaçons. La masse, c'est un contact à 0 volt où le courant s'évacue. Sur une moto, il s'agit du cadre ou d'une autre pièce métallique non recouverte de peinture. Cherchez le fil de masse de votre ventilateur par exemple. Là encore, l'utilisation d'un multimètre pourra s'avérer très utile. Vous pouvez également vous raccorder au moins de la batterie, mais cela imposerait de tirer du fil jusque-là et augmenterait les risques de défaut d'isolation pour pas grand-chose. Ne nous reste plus qu'à installer le circuit de puissance. Nous allons donc tirer un fil depuis le plus de la batterie jusqu'à la broche 30 du relais. Prenez garde au passage du câble, à ce qu'il ne risque pas de souffrir de la chaleur du moteur. Suivez le faisceau d'origine et fixez-le à l'aide de scotch électricien ou de collier de serrage. Pour protéger notre relais et l'ensemble du circuit qui vient après, nous allons positionner un fusible entre la batterie et le relais. Ici, un 7,5 A. Une fois la prise 12 volts installée au guidon ou au tableau de bord, il faudra relier son fil plus, le rouge, à la borne 87 du relais. Puis le noir à la masse, et nous avons fini. Merci Moustache, et à bientôt. La théorie c'est bien sympa, mais passons à la pratique. Pour réaliser ce montage, vous aurez besoin de matériel pour dévisser vos carénages, réservoirs, selles, de câbles électriques entre 1,5 et 3 mm, ici du 2,5, de cosses électriques et d'une pince à sertir ou d'un fer à souder. Personnellement, je pars de la base suivante, on ne soude jamais sur un véhicule. Cela permet plus facilement de rechercher une panne électrique, de brancher de nouveaux accessoires ou de transférer ceci sur une autre moto. En contrepartie, les cosses et les connecteurs rapides sont plus sensibles aux vibrations et plus difficiles à isoler qu'une soudure. Deux connecteurs rapides, deux scotch électricien et ou deux gaines thermorétractables, d'un fusible et de son porte-fusible, et bien entendu d'une prise 12 volts. C'est parti!
Depuis le Neyman, suivez le câblage pour trouver votre plus après contact. Le mien me mène jusqu'à ce connecteur fixé sur l'araignée. Il en sort trois fils. Ici, le rouge est l'alimentation du Neyman, le bleu sa masse, et le rouge et noir mon plus après contact. N'hésitez pas à consulter sur internet ou dans votre revue technique le schéma électrique de votre moto afin de ne pas faire d'erreur. Sectionnez le câble où vous allez vous raccorder. Pour y brancher votre connecteur rapide. Celui-ci permet trois connexions. Une pour l'arrivée du courant depuis le Neyman, la seconde pour la suite du câble d'origine, et la troisième pour celui destiné au relais. Ces connecteurs se débranchent facilement pour les remplacer par un modèle à 4 ou 5 connexions dans le but de raccorder ultérieurement de nouveaux accessoires. Le câble, serti d'une cosse, est donc fixé sur la fiche 86 du relais. Pour la masse de mon circuit de commande, j'ai choisi une vis de fixation de l'araignée. Si cette dernière est peinte et mauvaise conductrice, la vis, elle, est en contact direct avec le cadre et m'assure une masse parfaite. Pour tester l'efficacité d'une masse, utilisez votre voltmètre. Contact allumé, la fiche rouge sur le plus de la batterie et la noire sur une vis du cadre. Vous devez trouver une valeur entre 12 et 14 volts. Fixez donc votre fil de masse à la vis grâce à une cosse ronde. Puis connectez-le à la broche 85 du relais pour boucler votre circuit de commande. Pour le circuit de puissance, venez raccorder un nouveau câble directement à la batterie. Il va falloir que je trouve un moyen de connecter tous ces fils d'une manière moins dégueulasse, soit dit en passant. Quelques centimètres après la batterie, installez votre fusible de manière à ce qu'il loge sous la selle et ne risque pas d'être écrasé ou endommagé au remontage. Si le porte-fusible n'est pas un modèle étanche, isolez-le un minimum avec du scotch d'électricien. Puis tirez votre câble en suivant le faisceau d'origine jusqu'à l'araignée, afin de venir vous brancher sur la fiche 30 du relais. Ici, la prise 12 volts est installée sur le tableau de bord. Avec son fil plus à connecter à la borne 87 du relais, désolé, j'ai oublié de prendre la photo, et son fil moins à raccorder au câble de masse du relais via un connecteur rapide. Ça y est, le branchement est terminé, c'est l'heure du test. On tourne la clé de contact. La petite diode s'est allumée. Recharge en cours. Et si je coupe? Et voilà. Voilà, c'en est terminé pour ce tuto que je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il s'avérera utile à grand nombre d'entre vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt les manchots!